Moi, c'est toujours un plaisir, c'est vrai, de les amener sur des grosses compétitions et de les former. Voilà, moi, j'ai fait quand même 15 ans d'équipe de France, donc voilà, ça me rappelle des bons souvenirs. Ça compte juste pour Elsa. Elle est très douée, Elsa Ponzo, elle a toujours été douée. Allez, Elsa. Elle a le physique, hein, correspond, elle a de la longe. Alors, cette année, elle s'est plutôt concentrée sur le bloc. Elle n'était pas là, d'ailleurs, au CSU toute la semaine dernière. Mais bon, elle a un passé un peu polyvalente, parce que là, elle s'est déjà débrouillée pour trouver le bloc final. De toute façon, c'est aussi les voix qui peuvent correspondre à des bloqueurs, hein, tu l'avais dit. Il suffit d'aller très vite. Ouais. Et ben, on peut l'applaudir, hein. Belle prestade, Elsa Ponzo. Allez, Margot. Pour eux, c'est vraiment important de voir, surtout qu'ils participent à des gros événements comme ça, et dans des belles salles, sur des beaux murs. Et... En fait, dans leur parcours, justement, dans leurs entraînements, l'objectif, c'est faire au minimum une finale et bien sûr d'essayer un podium sur ces championnats de France, mais c'est vraiment l'aboutissement de leur saison sportive. Allez, Julia, allez, s'il vous plaît, Rock Évasion, là. Ça, c'est le prestige d'Hubert Policard, Julia Chanourdi, allez. Elle est grande, hein, la différence aussi avec Salomé. Et puis elle a une risique qui est incroyable, hein, elle a une puissance physique. Allez, Jou, allez! Allez, Julia! Oh là là, le clan Chanourdi, ils doivent être tendus. Allez! Allez, Julia, elle va y aller. Elle a sorti toutes les voies depuis le début des France. Elle est incroyable, cette Julia Chanourdi. Allez, ça se joue pour le titre national. Oh, elle en veut, elle lâche rien. Applaudissements pour Julia Chanourdi. Oh. Pour moi, c'est essentiel dans un sport comme l'escalade. À partir du moment où on est tendu, on a déjà perdu. Donc le jeu est essentiel. Je crois qu'il fait 15-16 mètres de haut, pas très raide, donc très technique. Donc on sollicite vraiment les filières du grimpeur. Les grimpeurs, il faut qu'ils sachent tout faire, dans le raide, dans le pas raide. Là, c'est un style particulier, bien à doigt. Ça nous convient bien, nous, les Briançonnais. Elle est ici, c'est incroyable. On sent qu'elle ne fait rien. Elle va le faire, allez. Ah oh. Alors Salomé, je vais te mettre la pression tout de suite. Ex aequo avec Chanourdi, ça va être au chrono. We'll be right back.
Guilain, allez. Allez, c'est proche. Allez, Guilain, on lâche rien. Rock Évasion, go. Allez, techniquement, c'est un garçon qui peut être sacré champion de France, hein, Guilain Piper. Et vice-champion d'Europe en titre. Hein. L'année dernière, AG Mosaï. Allez, Guilain. Allez, c'est bien ça. Allez, Guilain, tu lâches rien, tout avec les nerfs, là, allez. Allez, oh, c'est bien ça. Il tient, Guilain. Allez, Rock Évasion, allez. Oh, c'est un Golgot. Il y va avec le cœur, il a beaucoup de cœur. Eh ben, on peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Allez, Alba, allez. Ça passe. Et c'est beau ce qu'il fait, allez. Allez. Attention. Allez. Eh oui, c'est la résie. Hein. Allez, il est bien parti, hein, Tom. Là, si vous le poussez, ça peut le faire. Oh. Allez. Allez, Tom, allez. Allez. Allez, Tom. Allez, Thomas. Allez. Allez, Tito, allez. Allez, on va lui demander, allez. Allez, Tom. Allez. Oh, c'est le dernier. Oh, un big up pour Thomas Johannes. Le fait qu'elle ait lieu ici, c'est surtout parce qu'ici, c'est le plus grand mur de France, puisqu'il fait 16 mètres de haut. Alors, je ne parle pas du mur qu'on a installé à Voiron, bien évidemment, mais en intérieur et en salle, c'est le plus grand de France, c'est une salle internationale. Donc là, il y avait vraiment un intérêt à faire des championnats de France ici, puisque d'une part, on a la sélection équipe de France senior qui se passe dans 15 jours ici pour le championnat d'Europe de Chamonix, et d'autre part, la détection jeune avec les sélections qui vont avec, et on n'oublie pas 2014, le championnat du monde à Nouméa. Ça montre bien le développement de l'escalade qui s'est sorti complètement du milieu montagne, qui n'existe plus, qui n'est plus lié à la montagne. Et là, on est un sport en pleine expansion avec beaucoup de jeunes. La majorité des licenciés de la fédération ont moins de 14 ans. Donc c'est vraiment un sport qui se développe, c'est facile à faire, c'est pas très onéreux. Un mur d'escalade n'est pas très onéreux au regard d'autres équipements sportifs. Donc c'est toujours très intéressant pour une municipalité, une collectivité territoriale d'avoir un mur d'escalade. Allez Guillaume, il est dans le rythme. Waouh, eh ben on peut l'applaudir, hein, on peut l'applaudir Guillaume Collin. Donc c'est à vous de jouer, hein, vous ne lâchez pas la temps clair, allez. Allez Nathan, allez. Allez, c'est bien repris là. Allez Nathan. Allez Nathan. Allez Nathan. L'Arzul, il est tout seul. Un bout de brousse, c'est le club de Crocodile Dundee. Allez. Allez Nico. Putain, lui, il est vraiment technique. Hein, allez Nico, ne fais pas embarquer, allez. Oh là 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 là. Il n'a pas trouvé vraiment la bonne préhension peut-être sur ce volume. Et ils sont piégeux hein, ces volumes aussi. Hein. Il y a des parties granulées, d'autres allez, non. Nico, allez. Allez, c'est bien ça Nico. Voilà. Allez, super. Super, allez Nico. Allez. Attention, allez. Attention à ce move. Eh ben on peut l'applaudir Nicolas Pelorson. C'est lui qui prend la tête largement. Il a une bonne tronche, il est toujours content. Bien joué. Alors l'escalade de vitesse est quand même assez récente pour nous. On a l'équipe de France depuis 2 ans seulement, l'équipe de France senior. C'est pas dans nos gènes au départ. Pour nous, c'est d'abord la difficulté. Mais là, on voit bien qu'il y a un fort développement au niveau international et qu'il est de notre devoir d'avoir des équipes de France qui soient fortes. On a d'ailleurs la record woman senior qui est française. Par contre, chez les jeunes, c'est quand même quelque chose qui est en devenir et qui va montrer, je pense aujourd'hui, un bon avenir pour ça. C'est Anouk !
qui est championne de France. Incroyable, 8,45. À Montmartre. Allez, hein. Allez, attention, lequel va gagner le Valentino? Pour l'instant, c'est Moreau qui part très vite, mais Nambou, il revient. Faut pas d'erreur d'un côté ou de l'autre, c'est Moreau. 6,90. 6 secondes 90, explosion du record de Guillaume Moreau. Applaudissements, je crois que son record, il était à 7,20. Alors sur ce week-end, c'était 350 compétiteurs, 1000 personnes. On a fait le plein, la salle, c'est très bien. Maintenant, il faut continuer, on a les seniors qui arrivent. Dans tous les cas de figure, les deux championnats sont des championnats de niveau international. Donc c'est quand même assez fort pour ça. Et ensuite, on va continuer dans la saison internationale derrière. S'il vous plaît, toutes les troisièmes, deuxièmes et premières places de ces championnats de France, nos jeunes. Tous ceux qui vont nous ramener des médailles en Coupe d'Europe.